bonjour à Pierre-Maxence José-Lexidor, Louko Désir. Bonjour à chaque grand ami, auditeur, auditrice, un peu partout à travers le monde, spécialement mon qui dans la section communale. Eh bien, Josué, et comme on connaît, et suite à communiqué du gouvernement en place, et qui était demandé à ce que les fonctionnaires de l'État, le commerce, le grand commerce, les activités du pays capables de reprendre. Alors, comme à la coutume, nous passons dans plusieurs côtés, nous, banque qui l'ouvrit, banque qui était fermée, ils l'ouvrit, ils l'ouvrit, et bureau de l'État a commencé à fonctionner et tout petit, et parce que il y a un monde qui parvient de travail, compte tenu de saisissement, il y a un monde qui saisit, qui était attaché à président Jovenel Moïse. Et en dépit de toute impopularité que Jovenel Moïse, comme président de la République, a lui-même payé, hein, donc faut nous dire que l'activité reprend, et sinon que l'école qui toujours est fermée, et gagner l'école qui t'a fait cours pour tout le monde qui parle examen et 9e année, vous connaissez que le ministère de l'Éducation nationale et reporter l'examen ça au 19 juillet qui est là. C'est donc que l'activité reprend normalement. Et Kouyo en Haïti, spécialement dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, et sinon que les groupes armés qui ont même continué à troquer Kouyo. Alors matin, gon baisse qui fait et monsieur Guéien et comme on dit, ils font camper, ils ont pas goûté entre eux matin là. Okay. Et pour remarquer, et mais et diverses machines et ont traversé ce matissant et transport en commun reprend correctement dans le niveau commune Tafou. Okay. Donc, mais ça n'a pas empêché que monsieur a proposé pour redémarrer vous-même parce que c'est chaque groupe qui occupe le territoire par yo, et ça qui perd du territoire, par exemple, monsieur Tibayo perd plusieurs dans le territoire, il peut récupérer, et c'est ça qui a la cause. Mais vie est tournée, ou t'as des goumets, entre M. Bilay de Dieu, qui a accaparé, et Matisson 4 avec Matisson 2, il a accaparé de Matisson 1 jusqu'au 23, jusqu'au 10, jusqu'au 21, qui donc, et M. Christian, M. Tibouayo, il y a même eu bien seulement, et bloc, et Matisson 23 en haut, dans Méo, avec jusqu'à Fontamaraca en droit. Okay. Donc, c'est ça qui la cause tout goumets à eux. Et José Lexidor. Donc, la police nationale lui-même, par le biais de et certaines unités, d'un coup, Udmo, mais toujours absillonné avec une seule grain blindé, qui lui-même absillonné de Martissant 1 à Martissant 23. Mais ça qui pas empêché, les bandits ont même les sortis, ils ont fait mort, et il y a des gens qui mourent, par exemple, hier, dans tous les deux camps, il y a deux gens qui sont morts dans le camp et Tibois, et il y a un et deux autres nègres qui sont morts dans le camp, M. Villa de Dieu, qui était accaparé, Matisson 7, Matisson 4, Matisson 2. Donc, non, on n'a pas la voilà là. Et que ce soit comme à continuer à faire, mais Gouméens sont campés. Mais est-ce que Gouméa campé net, nous ne pouvons pas dire ça, sinon que n'a pas suivi, n'a pas pour nous exactement ce qui a passé. Alors, dans le cadre d'un dossier Jovenel Moïse, là, José Lexidor, selon les toutes dernières informations, James Solage, c'est un monsieur, selon information, yo, c'est un monsieur qui t'a tiré à main par le même Jovenel Moïse. Selon dernière information, Blanc était en backup, M. Colombien était en backup, mais James Solage, c'est lui-même qui t'a coordonné les activités sur le terrain, c'est lui-même qui t'a mené opération en tête opération. C'est-à-dire que, selon information que nous gagnons dans Botimamite, James Solage, et selon les informations, monsieur t'a censé, et c'était fier. Ancien responsable sécurité, monsieur Dibivon. C'est ça qui est comme information. Alors, monsieur lui-même, selon l'information, c'est lui-même qui t'a coordonné les activités sur le terrain avec monsieur Colombien. Donc, monsieur Colombien, selon dernière information et tout, c'est à 15 millions de dollars qui t'a baillé pour que tu te livres président. Maintenant, la garde présidentielle est mise sur ses lettres.
eh bien, faut que nous jouions qu'un pile policier, qui était toujours plein, un pile agent USGPN, USP, eh bien, qui était toujours plein, que le président son équipe crasse, son équipe dure. Donc, faut que nous jouions que le président de la République lui-même, et faut que nous jouions que, était toujours plein. Nous rappelons que le matin du bas, nous avons toujours parlé de ça. Nous avons toujours parlé, écoutez, un président, il y a un propre ennemi qui n'enseigne, il y a un propre ennemi. Hein? Il y a pas ennemi qui n'enseigne, il y a pas monde qui parle well, qui a des problèmes avec elle, sous base que le président son équipe classe, le président son équipe qui peint, ok? Donc c'était ça, et en pile, policier, qui n'a garde présidentielle là, qu'on a plein par rapport avec le fonctionnement président de la République. Mm-hmm. Alors, selon information, le président a été livré facilement, et ceci dit, et selon toute enquête qu'a menée, et M. Agel Civil, qui est directeur et un des coordonnateurs et de la sécurité présidentielle, de l'unité de la sécurité présidentielle, mais monsieur lui-même, il va pour répondre aux questions 14 juillet qu'a venu là, commissaire du gouvernement, il y a M. Dimitri Erard, lui-même, et selon toute information, je ne sais pas jamais pied le président, malgré que M. Civil a enterré les messieurs, jusqu'à 5h de l'après-midi, monsieur Dimitri Erard, pas de jambes présenté sur les lieux du crime, pas de jambes par une côté secours. Selon information, tout, c'est un monde qui t'a vu secourir. On nous dit, madame président, c'est un Vladimir Parizeau. Selon dernière information, c'est lui-même qui t'a dépêché sur les lieux rapide pour venir sauver madame président. Alors, une chose est claire, c'est que je vous le dis là, président est livré pour contre lui, hein, agent de sécurité crasé l'ac, aucun agent de sécurité n'a pas pris aucun cartouche, n'a pas déchoué aucun balle, et pas aucun agent qui t'a même levé le petit doigt pour te tirer, ou bien pour te, pour te riposter avec des agents sur les lieux, et des mercenaires sur les lieux, simplement, président était mouru, il prend balle et puis il mourit. Et puis à la suite, on va venir joindre des mouns qui proches président, viennent chercher madame là, mène l'hôpital. Qui donc journée aujourd'hui là, il faut que nous disons que José Lexidor, si tu as tout ça, mandé un pile enquête, et c'est ça que fait, on va joindre Laurent Lamothe, ancien ministre en lui-même, qui mandait pour que une enquête internationale sous dossier A. Et parce que grand pile bagaille qui a parlé, grand pile intoxication qui a fait, et l'essentiel, c'est que la police nationale, fait ça, l'idée de faire, ça qu'on a toujours fait, et ça qu'elle est obligée de faire, ils ont arrivé, marré, plusieurs Colombiens accompagnés de deux responsables haïtiens, deux coordonnateurs, monsieur qui t'a coordonné mouvement ça, action ça sur les lieux, Mais la police nationale met men en cassage, monsieur. Gagne l'autre, yo même, nous connaissons, nous avons appris à appeler pour information. C'est que gagne là-dedans, yo. Mais qui perdit la vie, yo. Il y a quatre là-dedans, yo. Il y a quatre Colombiens qui t'ont perdu la vie, yo. Et le président colombien, monsieur, annoncé selon information que nous avons, dans la conversation que nous avec Claude Joseph, le premier ministre, sinon, de facto, je dirais, selon le premier ministre Claude Joseph, ligons conversation avec le président de la Colombie qui annonçait la plus pure enquête dans le dossier ça pour qu'on ait exactement les commanditaires de ce crime odieux côté président de la République, Jovenel Moïse, je perds la ville là pour là. Alors, quand nous dit que José Alexidor. Il faut du tout gagner et commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince qui mettait, alors qu'il mandait et pourtant de Dimitri Erard qui c'est chef USGPN. Oui, Dimitri Erard est dans le collimateur du commissaire du gouvernement. Monsieur, il a voulu répondre question le même 14 juillet ça. Alors, faut monsieur tout marcher, faut que Dimitri Erard tout marche avec Tika Banmi, est-ce que vous comprenez? Et monsieur Civil Aguerre. Mais je suis vu la gueule, et il faut que monsieur marche avec Tika Banmi, parce que selon toute information, monsieur Zao Pagé ou pas moi, et t'as déjà gagné une interdiction de départ pour tout agent qui était dans la sécurité président. Tout agent qui t'a gagné charge pour gérer la sécurité président, il y a interdiction de départ contre monsieur Zao, et DCPJ t'a déjà demandé pour que monsieur Zao,
yon retracé téléphonique de chaque green agent qui était sur les lieux dans le moment. Tout le monde président s'est parlé avec yon. Tout numéro président était communiqué avec yon. Jou ça, mais DCVJ a tout relevé téléphonique de tout le monde qui peut répondre à la question de DCVJ à commissaire du gouvernement. Donc ça veut dire que y a un monde qui est le président et le président Parent pendant un nombre de temps, et bien, on peut aller pour répondre à la question et on peut obliger de répondre à la question et pas courir à grand avion. Pas courir à grand avion parce que y a mette... Oui, oui. Pas courir à grand avion. Pas courir à le avion, il y a un monde qui courir à le avion, là, on peut être suspect, et surtout si on te parle avec le président de la République, là, ok? Et de bon, on te parle avec le président de la République, là, ou te réel le président de l'eau, eh bien, on peut pouvoir répondre aux questions, parce que la CPJ, déjà, communiqué avec Conatel, Digicel et Natcom, pour communiquer Bali, toute liste appel, moun qui te parle avec le président, joue ça, moun qui te parle avec Martin Moïse, moun. Alors, faut nous dire que Martin Moïse, il a la vie sauve, c'est parce qu'elle te mette quoi, le temps qui mourit. Donc, monsieur, t'es pensé, Martin Moïse, t'es mourit. Donc, c'est ça que Martin Moïse, pas mourit, et l'ambassade américaine, elle m'était dépêché sur les lieux, et côté petit garçon, Jovelin, lui-même t'es trouvé dans Delma 75, eh bien, on était allé derrière, monsieur. Eh bien, c'est grâce à l'ambassade américaine qui était dépêchée sur les lieux. OK, il y a un contingent pour aller chercher les petites là. Et pour que, ni madame, non, ni Jovelin, il était forcé Jovelin. Alors, Jovelin, on dit que Jovelin va devoir aller. Jovelin, qui est le petit président de la République là, ne s'est pas décidé quitter le territoire. OK? Il ne s'est pas décidé quitter le territoire. Pour monsieur, pour Jovelin, c'était un vaste complot que papa a subi. Faut nous dire que dans un moment, monsieur Patnak qui est président, ok, monsieur a regardé match avec quelques amis dans Delma 75. Et, de fait, l'ambassade américaine a eu information, mais il a parlé, cherché, joindre avec Jovelin, qui lui-même, je vais dire, non, on n'a pas la voilà là, et bien, monsieur trouvé les États-Unis d'Amérique tout, et madame président, selon l'ordre d'information, Martin Moïse, Dieu à la mort, dit qu'il n'a pas quitté ça comme ça. Selon dernière déclaration, Martin Moïse déclaré sous cabane de l'hôpital, il n'a pas quitté ça comme ça. Ça veut dire ça, c'est bien. Martin Moïse, rappelons bien le matin de Bande, dit que Martin Moïse, tagué pour le candidat à la présidence, et bien Martin Moïse, sans qu'elle pour déclarer que la candidat à la présidence, il faut toujours que Martin Moïse déclare normal net, la parée pour Goumé et jouer une justice pour Maril. Déclaration Martin Moïse. Lui déclarer sous cabane l'hôpital, lui pas quitter ça. Ils ont mettre paré pour assassiner tout parce que lui-même, faut que Marie joue une justice, sinon faut que Jovenel Moïse joue une justice. Et seule façon pour que Jovenel Moïse joue une justice, nous connaissons pas ailleurs. Il y a des plaques à peine là pour que vous assassiné, pour que assassiné même le monde qui a arrêté. Et ça fait la police nationale une grosse responsabilité dans le cadre de ça parce que. Il a cherché pour qu'on ait exactement le commanditaire ou les commanditaires de ce crime odieux. Rappelons bien, bien matin à tous, il y a des crimes les fait, même les arrêtés mounes, les arrêtés mounes sur mounes, mais comme en plus fois, et où on lui dit que même les arrêtés, où on a des mounes mourir dans des conditions. Donc, exactement, la police nationale gagne une grosse responsabilité pour sécuriser, tant qu'on se fait James Solage, ok, retenez bien le nom, James Solage, le coordonnateur de la mission, ok, de la mission tuatoire de Jovenel Moïse, eh bien, James Solage doit joindre bonne sécurité pour que au moins, il est capable de témoigner, malgré que M. Guetta fait une déclaration, M. fait compter au niveau de la DCPJ, et c'est une mission que le joigne sous Internet. Monsieur Fekone, c'est une mission jeune sous Internet, son job jeune sous Internet pour venir mener une mission ça. Donc, monsieur Fekone, bien clair, mais sinon que ça, elle nous dit là,
Mais il a arrêté monsieur, ensemble avec monsieur Colombien, yo, et monsieur a déclaré son job était bali sur internet. Donc c'est comme ça va aller. Donc, Napton, pour nous connaître exactement, qui ça va passer? Qui ça va passer? Est-ce que Martin Moïse, l'Elfin rétabli, a retourné dans le pays, côté États-Unis d'Amérique lui-même, prend responsabilité pour sécuriser madame président? Donc nous dit que madame président, pas pour continuer dans le moment où on a parlé avant là. Madame président, pas pour continuer. Uh-huh. Sécurité, madame président, pas sous contrôle. Hein? C'est Américain, mais c'est normal, qui normal, a occupé de sécurité, madame président. Ça c'est normal, les aïe, vous connaissez ça, c'est normal. Eh ben, ok, Esaü. Allô? Voilà. Esaü. Alors, nous gagnons, Kouliala, nous gagnons en équipe aux États-Unis, haïtien. Haïtien américain, mais haïtien qui lancé deux fois manifestation aux États-Unis. Il a gagné une note de sympathie et il a fait sortir. Et sous question assassinat président et Astrel, le député Vilsain, Sabine Philippe, Astrel Jean, équipe là, donc soulignant là, ben nous recevoir. Astrel, bonjour. Et beaucoup de jacquets. Et donc, alors, équipe ça vraiment est très visible. Et pour moment que nous faisons parler ensemble. Et nous saluons tout le monde haïtien et d'Haïti qui a traversé un moment très difficile et un moment qui n'est pas facile. Et bon, c'est un moment que nous faisons parler ensemble. Et Askel, ou ensemble avec député de Vilsain? Oui, nous tous là, équipe là, nous ensemble, et nous pas gain temps, nous pas dormi. Et la nuit et comme le jour, nous avons discuté ensemble sur la situation du pays d'Haïti. Bonjour Sabine. Bonjour député Tatoute, nous saluons tout le staff radio, nous dit bonjour à peu près ici.